Reste chez toi, bordel! Hello les addicts, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer quelque chose en ce confinement. On sait toujours pas jusqu'à quand il va aller exactement. Donc il est grand temps qu'on se challenge un petit peu pour bouger les fesses et botter les fesses à notre pile à lire qui est juste énorme. Moi la mienne personnellement elle fait 130 bouquins. Je pense qu'il y a pire que moi, mais clairement pendant ce mois qui risque d'être encore qui est incertain, je vais clairement essayer de vider cette pile et de passer en dessous des 100 parce que là c'est juste plus possible. Donc je vous propose un challenge avec un mois à 10 000. Donc 10 000 pages à lire dans ce mois. Ça va pas être évident, mais je vais essayer personnellement. Mais sur le groupe Facebook, parce qu'à la base c'est un challenge qui se passe sur le groupe Facebook que j'administre avec Anaïs et Cindy. Je vous mettrai leur pseudo par ici. Et surtout le lien vers le groupe, soit dans la bio, soit dans le petit, je ne sais pas encore comment je vais faire. En fait, on a quand même prévu donc un mois à 10 000 pour les pros du confinement, on l'a appelé comme ça. Mais on vous a proposé des petits paliers en dessous, que de 2500 pages à 2500 pages. Donc le premier palier à 2500 pages s'appelle les gestes barrières. Oui, forcément, on a choisi des petits noms par rapport à l'actualité, sans être trop trash et sans être trop déprime. Non, on a voulu que ce soit quand même un minimum marrant. Avec tout ce qui se passe, on angoisse déjà assez, je pense. Donc voilà, tranquille, on va y arriver. Donc le deuxième palier, c'est 5000 pages qu'on a appelé... comment ça va dire ? Faites respirer votre pile. Voilà, donc 5000 pages déjà, ça fait un bon paquet de livres en moins. 7500, c'est le hashtag stay at home. Bien sûr, forcément, et 10 000 pages, le pro du confinement. Oui, parce que on est tous confinés chez soi, mais il y en a encore qui travaillent, soit en télétravail, soit qui partent travailler parce qu'ils sont dans l'alimentaire, la santé, enfin, les trucs qui sont indispensables. Donc, voilà. Donc, on vous propose ce petit challenge. Je vous présente pas ma pile ici, je l'ai fait sur Insta, mais je suis pas sûre encore de respecter à 100% cette pile. Donc, j'ai pas forcément envie de vous la présenter pour que finalement... ce soit pas forcément fidèle, mais sachez que vous avez le droit au roman, au BD, au manga, à lecture audio et tout ce que vous voulez pour vous faciliter la vie. Personnellement, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de lire pas mal de mangas parce que j'en ai beaucoup dans ma pile. En plus, ça me fera des pages en plus parce qu'un manga, on met quand même beaucoup moins de temps à lire. Donc du coup, le but, ça va être de lire tous les mangas que j'ai dans ma pile pour pouvoir en acheter plein quand je vais finir ce confinement. Mes BD, c'est bon, j'ai tout terminé. Et lire un max de bouquins, que ce soit des gros pavés ou des plus petits, je vais essayer d'alterner pour que ce soit pas non plus une overdose. Donc voilà, vous avez le droit à tous les supports de lecture possibles, inimaginables. Et vous essayez de maximiser un maximum votre lecture. Moi personnellement je vais lire des romans quand j'ai le temps. Forcément j'ai énorme de temps, voilà. Je vais quand même travailler un petit peu pendant ce mois-ci, donc voilà, j'ai du temps, mais je vais quand même être occupée. Et je vais essayer de maximiser ma lecture audio en faisant mon ménage, mes trajets en voiture. Oui, parce qu'il faut quand même aller faire des courses et travailler un petit peu. Quand je vais promener ma choupinette, parce que j'y vais quand même tous les jours. Forcément. Et voilà, vous maximisez un max et vous lisez un max pour descendre un maximum de livres qu'on a dans notre bibliothèque. Je vous dis pas d'en acheter. Non, 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 non. On n'achète pas, on fait pas pour que les livreurs sortent et tout le bazar. Non, non. On n'achète pas, on attend que les librairies ouvrent. Et on maximise tout ce qu'on a chez nous. Parce que je suis sûre que vous en avez plein. Donc on n'a pas besoin d'en acheter plus. Donc j'espère que je vous ai assez motivé parce que vous avez tout le mois d'avril pour pouvoir participer. Et maintenant, let's go, c'est parti. Moi, je viens de finir un bouquin et je vais en commencer un autre. Voilà. Écoutez, bon courage, n'hésitez pas à me dire un petit peu sur les réseaux, tout ça, où vous en êtes, ce que vous allez lire, tout ça. Si vous réussissez à faire ce challenge, on va l'appeler hashtag moi à 10 000. On va l'appeler comme ça, je pense. Et du coup, moi, je vous souhaite bon courage. Dégommez-moi cette pile, vraiment. Et je vous dis à la prochaine, bye bye, et je vous ferai un bilan à la fin du mois sur ce mois 10 000. Salut tout le monde !